à chapon Ah, officielle, sympa. La c'est la Saturne. montre Saturne du Ah, c'est la cosmonaute montre. Ah, génial. Zidane. Alors, Free Games, c'est un jeune studio. On a commencé à travailler il y a 6 mois sur ce projet-là. The Last Human is a Maker, c'est notre premier projet. Bonjour à tous et bienvenue sur Torp TV Music and Retro Gaming pour cette deuxième vidéo bilan de souscription que j'ai prise chez le label Prophecy Productions, donc qui est un label allemand et qui fait du folk, néo-folk, rock, metal, black metal, etc. Deuxième vidéo parce que j'ai reçu, ça y est, le deuxième colis pour cette année, hein, qui regroupe, lui, le premier, si vous vous souvenez de la première vidéo, je n'avais qu'un mois de souscription, puisque c'était le premier mois où j'avais pris ce truc. Et là, je reçois un colis au troisième mois, donc j'ai les paiements de février et de mars qui sont compris dedans. Donc on va voir si... Ben, si ça vaut toujours le coup, par rapport à ce qu'ils ont mis dans le colis, on attaque tout de suite. Non, on n'attaque pas tout de suite l'ouverture du colis, puisque si vous vous souvenez toujours de la dernière vidéo, il y avait un concours. Un concours qui n'a pas eu un franc succès, je ne vous le cache pas. Je pense que c'est dû à la nature de ce qu'il y avait à gagner, hein, puisque je vous rappelle que c'est l'album de Kinitter. Qui est là, qui je pense n'a pas fait l'unanimité. C'est un groupe de néo-folk. Voilà, bah, allez regarder la première vidéo si vous voulez, si vous êtes curieux, si vous ne l'aviez pas vue. En tous les cas, j'ai eu quand même des inscrits et on va procéder tout de suite, hop, au tirage au sort ici. Bam, et voilà. Alors vous voyez cette magnifique roue de Google qui va nous permettre de choisir parmi les trois participants qui m'ont envoyé leurs inscriptions. Donc j'ai Etasseur, une personne qui s'appelle Balt Hazard et un Arnaud 1984. Très jolie date, ne serait-ce que pour le roman. Voilà, allez, c'est parti. On envoie. Sur ce tirage au sort, eh bien voilà, et ta sœur, tu remportes cet album de Kinitter. Hop, j'arrête ça et je reviens. Voilà. Eh bien, bravo et ta sœur, c'est toi qui as raflé la mise. Bon, maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer, yep, à l'ouverture de ce deuxième colis. Alors, je vous remettrai dans la description le lien pour aller sur le site de Prophecy Production. Je mettrai le lien de la première vidéo au cas où. Hop, on ouvre ici. Vu la taille du colis, je pense que comme on avait vu la dernière fois dans la souscription, il y a les plus belles éditions CD, y compris dans les moments où c'est fourni avec où c'est en bundle avec un vinyle. Vu la taille du carton, je pense qu'il y aura du vinyle dedans. Alors, qu'avons-nous là? Hop, nous avons un petit carton de calage. Et ensuite, pardon pour les oreilles, nous avons, hop, un premier colis ici et un deuxième. Bon, pas mal. Alors, je vais commencer par le plus léger. On a donc deux colis comme ça. Hein, vous voyez, il y en a un qui est plus épais que l'autre. Hein. Hop, voilà.
Donc on va commencer par le plus léger. Je vais mettre hop, la deuxième scène. Hop. Deuxième scène qui est toute noire parce que hop. Voilà. Dans ce sens-là. Tac, voilà. Voilà, ici. Alors, dans ce carton, hop, il y a... Alors, ah, intéressant. Il y a... deux et trois bouquins comme ça, ainsi que un CD Digipad classique. Très bien. Alors, qu'avons-nous là? Hop. Je vais les mettre sur le côté, là, comme ça. Et hop, je vais me mettre, moi, comme ceci. Bim. Alors, nous avons un premier album en digipack avec une couverture, une pochette particulière, quelqu'un qui est face au soleil. Et c'est un album du groupe Brother Degé, ou Brother DG, je ne sais pas. L'album s'appelle Aurora. Album digipack classique, hein, Brother Degé, moi je prononce Brother Degé, hein, donc c'est un album qui est déjà sorti, d'ailleurs, il est sorti, sorti courant, enfin, toute fin février ou tout début mars, je sais plus, c'est un groupe américain, qui fait du Southern Blues, du folk, ce genre de choses, et qui est à son huitième album. Huitième album, Brother Degé, Aurora, dont je vous mets un extrait maintenant. Out of my own, through mouth, far from bitter.
Hop, voilà, Brandeur des Gays. Vous voyez, le clip est un peu particulier, je l'avoue. La musique aussi, c'est un style. C'est pas ce que j'écoute tous les jours, mais c'est sympa. Je trouve ça sympa. Alors, maintenant, on va passer à la présentation. Bim. Hop. Hop, voilà. Brother des Gays, donc l'album qui est sorti, vous voyez le. Ah, l'album est sorti le 15 mars, donc il est tout juste sorti au moment où j'enregistre cette vidéo. L'album est disponible en vinyle, édition Gold Marble, donc doré marbré ici, ou hop, ou noir, voilà, classiquement. Donc nous, on va revenir sur la version Digipack qui nous intéresse. Donc vous voyez la cover ici. Voilà, le Digipack ouvert comme ça, avec des liner notes sur les côtés, les crédits, j'imagine, voire peut-être les paroles directement imprimées, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de livret. C'est ça, il n'y a pas de livret, donc ça va être tout simplement. Oui, parce que les crédits, on voit, sont derrière. Produit par machin, truc, enregistré. Voilà. Donc les paroles sont directement imprimées sur le Digipack. Donc Brother des Gays, je crois que c'est une espèce de one-man band, même s'ils sont plusieurs à jouer dans le clip et sur scène. L'artiste principal, c'est vraiment lui, chanteur-guitariste. Donc voilà, Brother des Gays. Album que nous allons trouver en dehors de la souscription à 10 euros. Voilà, tout simplement. 10 euros ou 8,50 € en tant que membre. Voilà. Si vous vous rappelez, il y a les trois niveaux. Le Prophecy Club à 25 euros pour l'année, qui vous permet d'avoir ce prix-là, en fait. Voilà, juste ça, plus les téléchargements de tout ce qui sort, même si vous ne l'achetez pas, vous recevez un lien de téléchargement. Le CD membership, donc vous recevez tout ce qui sort en CD, plus le téléchargement, plus le prix de tout ce que vous pourriez acheter en plus sur le site, le prix réduit, là, le prix club. Et le vinyle membership, qui est la même chose que le CD, mais en vinyle. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce Brother des Gays. Ensuite, bim, on va passer. Hop, je le mets là. On va passer à Isnordal. Isnordal, hop. Voilà. Donc quelqu'un qui visiblement danse nu devant un feu. Et l'album s'appelle Requiem for Irene. Et vive la mise au point. Yeah. Voilà. Requiem for Irene. Irene. Donc ici, on a un album qui est présenté en format livre rigide, comme la dernière fois, et qui contient deux CD. Voilà, le CD de l'album et un CD bonus. Donc on va voir tout à l'heure ce qu'ils contiennent. Donc Isnordal, qu'est-ce que je peux vous dire? Requiem for Irene, pareil, déjà sorti. C'est un groupe américain encore, qui fait un black doom néo-folk. C'est assez particulier. Je vais vous mettre deux extraits parce que suivant les morceaux, en fait, on a vraiment des morceaux purement néo-folk et des morceaux qui mélangent un peu ça avec du doom, du black, etc. Donc je vais vous mettre deux morceaux. Et c'est leur troisième album. Voilà. Donc je vous passe ça maintenant. Thank you.
Voilà. Donc, Isnordal, vous voyez presque deux salles de ambiance, hein, j'ai envie de dire. Je pense que c'est important pour mieux se rendre compte d'avoir ces deux extraits-là. Isnordal, donc voici maintenant la présentation. Hop, ici. Isnordal, ici, voilà. Requiem for Eirene et Irénée. Book 2 CD, donc au prix de 30 euros normal ou 25 euros 50 en tant que membre du club. Donc disponible en vinyle Clear Gold Red, donc un transparent doré rouge, voilà, et noir. Le book ici avec ces deux CD. Produit de fort belle facture, hein, toujours chez Prophétie. Les paroles, bien évidemment. Des petites illustrations, typées médiévales, j'ai l'impression. Des photos de l'enregistrement ou des photos de scène, parce qu'ils ont l'air de jouer dehors. Alors, Isnordal, les bonus tracks de l'artbook, donc ce sont donc trois morceaux bonus et un remix, Dungeon Mix. Donc j'imagine que c'est ces versions qu'instrumentales ou en fait qui font partie d'un EP Imbolc. Pour Imbolc 2014. Ok. Pour la première fois en CD. Voilà. Donc ce sont les trois titres ici, plus un morceau retravaillé. Très bien. Ah, il y a un essai narratif, des dessins, des photos, les paroles, etc. Dans le livre. Pas mal. Bonne découverte. Je ne connaissais pas du tout avant de le recevoir, cet album. Voilà, c'est à ça aussi que ça sert la souscription, c'est soutenir le label et trouver. Avoir de nouvelles idées musicales, de nouvelles rencontres musicales, même, je dirais. Voilà. Donc ensuite, donc on en est à une quarantaine d'euros de valeur, entre guillemets, de colis. Je vais le poser là et on va passer à Auster. Hop. Donc Auster ici, qui est un groupe australien. Voilà. Il y a toujours ce book. Hein. L'album s'appelle Beneath the Threshold, ce qui veut dire sous le seuil. Donc, un artbook qui ne contient qu'un seul CD. Mais dont les deux derniers morceaux sont des morceaux bonus. Donc groupe australien de Depressive Suicidal Black Metal. Voilà, alors on n'est pas dans les contrées qui chantent. Hein. Là, je vais vous mettre une vidéo pour vous rendre compte. Voilà. Austère, on n'est pas dans la guillotine. Thank you.
Voilà. Ça parle de soi-même. Austère, donc on va présenter hop, toujours le BAM. Donc ça, c'est un album qui est à sortir au 5 avril. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas quand je la posterai exactement, mais pour l'instant, il n'est pas sorti. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais le Isnordal est sorti aussi. Donc voilà, l'album, ce livre qui est toujours très beau. Voilà. La cover est pas mal. Donc disponible aussi en vinyle bleu turquoise, j'ai l'impression. Bio-vinyle. Alors je ne sais pas ce que c'est, tiens, bio-vinyle. Et en noir, bio-vinyle aussi. Tiens, on va regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le bio-vinyle ? Est-ce qu'ils en parlent ? Non, ils n'en parlent pas. Un peu transparent de pétrole bio-vinyle. Bon. Ah si, alors le bio-vinyle est basé sur un PVC bio. On peut avoir du PVC bio. D'accord. Bizarre. Alors c'est soit encore un argument marketing, soit il y a une vraie démarche derrière, un vrai gain par rapport au PVC classique, mais PVC bio, c'est la première fois que j'entends ça. Et donc voilà, donc l'album est composé de 6 morceaux, dont 2 supplémentaires pour cette édition, et une reprise de Sentenced. Ok. Extended artwork, photo, lyrics, donc les paroles de l'artwork en plus, classique dans un bouquin comme ça. Donc 25 euros de plus en normal et 21 en tant que membre du club. Donc on était une quarantaine d'euros, ça fait une soixantaine d'euros. On est déjà presque à un mois de souscription, puisque la souscription est à 75. Alors voilà pour l'Austère. Ensuite, après Austère, on va passer à Thief. Thief, donc le criminel, le voleur. Thief. Et l'album s'appelle Bleed Memory. Donc ici, on est plus épais, hein, substantiellement plus épais que le Austère, par exemple. Si je compare les deux. On a 2 CD dans le book. Hein. Et Thief, donc, qui est un groupe américain. Pardon, d'électro-expérimental. Et l'album sort le 19 avril prochain. Donc c'est le 4e album. Blood Memory, un extrait tout de suite. I'm
Voilà. Électro-expérimental, c'est différent. Voilà, ça change. Tout de suite, la page, donc, 30 euros toujours en tant que prix normal, et 25 sur le prix club. Donc on était une soixantaine d'euros. On passe à 80 euros, 85 euros. Donc on dépasse maintenant le prix de la souscription, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc là, l'album est disponible aussi en vinyle orange, orange transparent. Et on a le clip dont je vous ai passé un extrait. Hop, on a les 12 titres de l'album, plus 8 titres sur le morceau, enfin le CD bonus. Voilà, deux CD hardcover, lyrics, dessins, photos, bonus track. Donc des morceaux qui ne sont jamais sortis ailleurs. Voilà pour le Thief. Alors, maintenant que nous avons épurer le premier carton. On va pouvoir passer hop, au deuxième qui est ici. Hop. Ça, c'est excellent. Alors, dans le deuxième carton, on a deux choses. Alors, je vais commencer par celui-là, parce que je l'attends depuis longtemps et j'en veux plus d'attendre. Donc ici, vous voyez, le groupe s'appelle The Vision Bleak. Et je vais, excusez-moi pour les bruits de plastique, hop. Je vais déballer ça. Voilà. Donc, nous avons ici un tote bag. Un tote bag qui contient hop, un certain nombre de choses ici. Yep. Et voilà. Donc c'est bien ça, hein. Encore une fois, l'édition la plus luxueuse du CD, c'est le combo avec le vinyle, puisqu'on a ici l'album donc en format livre, comme les autres. Sympa le côté blanc avec les dorures. Ici. Voilà. L'album s'appelle Weird Tales. Histoires étranges. Contes étranges. Du nom, bien sûr, du célèbre magazine américain. The Pulp Magazine, comme on appelait ça, comme ils appellent ça là-bas. Qui a vu naître les histoires de Conan le Barbare, de Cthulhu et autres contes fantastiques et horrifiques. Donc l'album se veut un hommage à ce journal de l'époque, hein, qui a marqué toutes les générations d'après, j'ai envie de dire. Puisque en fait, cet album est un album avec un titre fleuve qui raconte plusieurs histoires en fait, hein, rassemblées sur ce morceau. Donc on a ici un patch, un peu comme on avait eu sur avec l'album de Farsot, un patch brodé The Vision Bleak. On a le certificat d'authenticité qui est numéroté numéro 16 sur 250. Excellent.
Et de l'autre côté, c'est une photo du groupe, donc les deux seuls membres, Constance et Schwadorf. Et donc, il est signé aussi par ceci. Voilà. Ça, c'est pour le CD. Et on a ici la version vinyle. Ça va être plus simple si je le montre là. La version vinyle qui est le pendant noir de la cover. Hop, si je le sors. Donc, ce qui est bien, c'est que le vinyle est envoyé en dehors de la pochette carton, hein, juste dans sa pochette. Hop, voilà. Un magnifique vinyle doré. Voilà. Je vais pouvoir écouter dès la fin de ce tournage. Et ça, ça fait un plaisir immense. Donc l'album n'est pas encore sorti. Le groupe est américain. Américain, n'importe quoi. Absolument pas, le groupe est allemand. Comme l'indique le nom de ses membres, hein, Constance et Schwadorf. Hop, l'intérieur hop, du vinyle. Donc on a les paroles qui sont écrites sur le carton. Et donc les deux membres qui sont représentés ici. Je vais pouvoir montrer ça. Ici, comme ça. Voilà. Schwadorf. Donc en fait, en live, bien sûr, ils sont plusieurs. Hein. Ils sont plus que ça. Mais ici, Schwadorf, dans le groupe, s'occupe de tout ce qui est guitare et basse, me semble-t-il. Et fait la voix hurlée, alors que Constance, lui, il écrit les paroles, ou il écrit les paroles à deux, peut-être. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il chante, et il fait la batterie, voilà, pour les enregistrements. Voilà. Et donc, pour illustrer cet album, je vous mets tout de suite un morceau de un extrait des deux morceaux qui se suivent, hein, qui sont sortis dans une vidéo, dans une lyric vidéo. Donc vous aurez les paroles en même temps. Et la vidéo fait 6 minutes, mais je vous mets ça illustre deux morceaux. Je vous mets deux extraits différents de cette vidéo-là. Vous verrez ça tout de suite, l'ambiance qu'on a dans The Vision Bleak, Horror Metal. And placed me in her hair to make
money that died. Voilà, pour The Vision Blick, vraiment j'adore ce groupe, depuis le premier album, donc je ne l'ai pas dit, mais The Weird Tales sera le septième album, c'est le septième album, et ça sort le 12 avril. Donc voilà, le 12 avril, et on va tout de suite montrer ça. Alors, vous voyez, on est sur l'édition que j'ai reçue, le vinyle, le CD, le patch, le certificat et le tote bag. Donc, le bundle, qui est au prix de 65€ en temps normal et 55 en tant que membre du club. Donc, on était à 90€ à peu près, on passe à 140€. On a presque le prix d'un mois de souscription rien qu'avec cet album. Donc on passe à 140€ de colis, de valeur dans le colis. Je vous rappelle que 2 mois de souscription, ça fait 150. 75 plus 75. Donc on est, ça y est, on est au top, puisque forcément les frais de port sont compris dans le prix de la souscription. Donc les colis me sont envoyés gratuitement, entre guillemets. Donc je range ça vite fait dans le sac. Hop. J'aime bien parce que les tote bags comme ça, ça permet en fait de ranger, quand on a plusieurs vinyles d'un groupe, ça permet de les ranger dedans et de les remettre après dans la case du meuble. Ça, quand on n'a pas d'intercalaire ou quoi que ce soit, c'est voilà. Donc je termine sur ce Vision Blick, donc disponible en CD normal Digipack, en vinyle noir, en bio aussi, d'ailleurs la prophétie doit se mettre à faire ses vinyles en bio, et en vinyle doré tout seul. On a donc la vidéo que je vous ai dont je vous ai présenté un extrait. Voilà, on a les 12 morceaux qui composent cet album, puisqu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas de morceau de bonus sur celui-là. Sur cette version book, mais donc on a la version limitée, le gold vinyle, le CD, le hardcover, logo patch, certificat, voilà, dans un tote bag, 250 disponibles. Si c'est une deuxième, c'est un clip du coup. Il y a pas les paroles sur celui-là, je crois pas. Du deuxième morceau qui s'appelle Dans la rue d'Oseille et qui est basé d'ailleurs sur l'histoire de Lovecraft, la musique d'Eric Zahn, joueur de violon fou qui ouvre un portail interdimensionnel avec son violon. Voilà pour ce The Vision Blick Weird Tales. Et donc nous allons attaquer le dernier objet de ce colis, qui est l'album de Doul. Alors tout de suite, pareil, le bruit de plastique. Hop. Voilà. Donc même principe. Un tote bag pour l'album
The Shape of Fluidity. La forme de la fluidité. Alors, hop. Zut. Ah bah oui, c'est ça. Désolé pour le bruit qui a dû vous ravager les oreilles. Alors, qu'a-t-on dans ce bundle ? Nous avons donc le tote bag qu'on vient de voir. Nous avons l'album en cassette. Nous avons bien évidemment l'album en digibook 18 cm comme les autres. Hop. Un certificat d'authenticité numéroté et signé par les membres, par tous les membres du groupe. Donc là, on est sur le numéro 252 sur, allez, fais la mise au point, sur 500. Nous avons des tirages promo. Voilà. Donc le groupe ici. Voilà. Un deuxième. Un paysage de récif. Encore une photo du groupe ici. Et enfin, l'image de la cover. Donc qui est en fait on voit pas trop sur la photo comme ça, mais c'est un drapeau. C'est la forme d'un drapeau qui vole au vent, mais en glace. On voit les gouttelettes là, de la glace qui fond. Donc sur la photo, tout est en glace. Autant le mât que la forme du drapeau. Voilà. Comme un drapeau pris dans les glaces, mais c'est, le drapeau est en glace complètement. Hop, donc ça nous fait 4 tirages comme ça, un peu d'art. Et on a l'album en vinyle. Voilà. The Shape of Fluidity. Donc on va le sortir aussi. Hop. Ah, c'est marrant ça. Le nom du groupe et de l'album est sur la pochette plastique de protection. Alors attendez, j'ai toujours du mal avec ça. Hop, voilà. Alors, pareil, l'album est envoyé en dehors, ce qui est très bien, ça évite que ça éclate la cover. Et logiquement, comme le drapeau de la cover est en glace, ici on a un vinyle transparent smoky black. C'est-à-dire qu'on a comme de la fumée prise à l'intérieur, vous voyez, comme des volutes de fumée noire qui seraient prises dans la glace. Hop. Voilà. Et donc, pour vous permettre d'apprécier le type de musique, je vous en mets un extrait du clip maintenant. Yeah.
Hop, voilà. Donc pour le clip de ce Shape of Fluidity, j'enlève ça, je laisse le livre ici que je mets comme ça. Hop. On a une présentation très sobre, hein, il n'y a même pas les titres à l'arrière. Voilà. Donc Doel, donc c'est un groupe néerlandais qui sort son quatrième album avec ce Shape of Fluidity. L'album sort le 19 avril et vous avez pu entendre qu'on est dans une espèce de rock un peu psyché parfois, voilà, rock un peu énervé. Et donc je vous partage sans plus tarder la page de présentation qui est ici. Hop. C'est un lien vers un autre clip. Et donc nous sommes toujours sur ce bundle. Voilà, l'album est disponible dans un vinyle crystal clear, dans un digipack classique, un vinyle noir et le book tout seul. Au même prix que pour le The Vision Bleak. Donc 65€ en prix normal et 55 en prix prophétie. Donc nous étions à 140, on est donc à 190€ à peu près de valeur marchande de produits pour ce colis qui m'a coûté, moi, en tant que 2 mois de souscription, donc 150€. Donc on est à une quarantaine d'euros de bénéf, sachant que ce que j'aime pas, je peux le revendre. Ce que j'aime, eh ben je le garde, voilà, le Venus in Flame du clip que je vous ai passé. Donc Limited Bundle inclus exclusive. Ah donc le vinyle en transparent marbré noir est exclusif à ce bundle. Vous voyez, il y en a que 500 copies. Le CD en hardcover, la cassette exclusive à ce bundle aussi. C'est très bien. 4 art prints que je vous ai montré, le certificat signé et numéroté, et le tote bag qu'on a donc pour un 500 exemplaires. Voilà. Donc voilà pour cette présentation de ce que contenait ce deuxième colis. Il me reste une dernière chose à faire avant de vous dire à la prochaine. Je vais arrêter ce partage ici. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hop, je vais reprendre ici ma petite roue des noms. Sauf qu'à la place des noms, je vais y mettre le nom des albums que je vais essayer de vous faire gagner ici. Donc, comme la dernière fois, un gagnant pour un des albums que contenait ce colis de souscription. Donc, je me garde le Vision Bleak puisque c'est l'album que j'attendais avec une grande impatience depuis longtemps. Par contre, dedans, je mets Liz Nordahl. Je mets ici le Doel. Je mets... Ah ben je vais le partager, tiens, pendant que je le fais. Ce sera plus simple. Ça, hop, je peux virer ça. Par contre, je peux partager ça. Hop, voilà. Alors, on a dit Liz Nordahl, Doel, ensuite Thief, ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit Austere, et Brother Diggy. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, on les a tous. Donc, voilà, c'est parti. Roulement de tambour. Et voilà, et c'est l'Austere
l'album de Ster qui va donc partir chez l'un d'entre vous. Voilà, l'album de Ster ici. Tac, alors attends, je remets ça. Hop, austère, voilà. Donc l'un d'entre vous va recevoir. Alors pour ça, n'hésitez pas à participer comme la dernière fois. Je vais laisser un peu plus de temps parce que là, il s'était passé beaucoup de temps entre le moment où j'ai reçu le colis et où j'ai fait la première vidéo. Alors que là, j'ai reçu le colis donc la semaine dernière, je fais la vidéo maintenant, ce qui fait que le prochain colis ne viendra que dans 2 mois. Je vais laisser un peu plus d'une semaine, je vais laisser 15 jours. Allez, 15 jours à partir du moment de la sortie de la vidéo, pour que vous, ceux qui veulent puissent s'inscrire à ce concours et gagner donc l'album d'Auster. Donc pour vous inscrire, n'hésitez pas, comme la dernière fois, hein, à soit le dire en commentaire, soit envoyer un mail sur la boîte de la chaîne, soit à venir vous inscrire sur le Discord que j'ai ouvert récemment. Je vais créer un onglet spécial dans la partie musique du Discord, créer un onglet spécial pour gagner cet album et... vous n'aurez qu'à mettre un message dans le post correspondant pour vous inscrire et tenter de remporter ce Beneath the Threshold pour lequel je réaliserai le même tirage que j'ai fait là en début de vidéo, en tout début de vidéo prochaine. Voilà. Mais avant ça, je ferai le tirage en amont et je préviendrai très certainement, c'est pas sûr encore, mais très certainement je préviendrai le gagnant avant, sauf que on verra comment ça se passe. On verra. Inscrivez-vous. Il y aura un tirage comme la Wheel of Names là, que je viens de faire. Et ensuite, on verra pour les détails comment on se contacte. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais écouter le The Vision Bleak. Et je vous dis à bientôt sur Torp TV Music and Retro Gaming. Ciao.